Aditya! Aditya, où est-ce que tu vas? Va dire à Arjun ce qui vient de se passer. Arjun? Tu n'as pas vu Adi? Comment tu veux que je le sache? Ça fait partie de ton plan, étant donné que personne ne m'informe de rien. Et maintenant, tu veux que mon frère te ressemble. Mais de quoi tu parles? Bon, il y a beaucoup d'invités. Nous discuterons plus tard. Si tu retrouves Adi, dis-le-moi. Papa! Ils ont kidnappé Zoya! Quoi? Qui c'était? Je sais pas, papa! Aditya est parti les suivre! C'est pas vrai! J'en étais sûr! J'avais l'impression que quelque chose de mal allait arriver. On peut pas faire confiance à Oda. Je vais aller moi-même en informer la police. Bonjour, bonjour. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Mes amis, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience. Je voudrais que vous les accueilliez tous avec beaucoup d'applaudissements, parce qu'ils sont sur le point de vous présenter un spectacle époustouflant. Alors s'il vous plaît, joignons nos mains tous ensemble pour accueillir nos artistes vedettes, Souraj et Chakor! Eh, hey, salut! Aditya Oda. Quoi de neuf? Elle est où, Zoya? Elle est où? Stop! On dirait bien que l'amoureux garde de très mauvais souvenirs de son amoureuse. Fais attention, surtout ne la perds pas de vue, car c'est la saison de l'amour. Je vais t'aider maintenant, tu as le choix. Soit tu sauves ta famille, soit tu sauves Zoya. Aditya, toi qui aimes tant jouer, viens donc jouer au jeu de la mort. Allez, viens jouer! Comment ça, ma famille et Zoya? T'as intérêt de me répondre, sinon je te frappe! Comme c'est dommage, tu n'auras pas assez de temps pour ça, Aditya. C'est un jeu qui ne dure que quelques minutes. Et ensuite,
baume. Tu veux dire... une bombe? Tout à fait, tu as vu juste. Ta famille vivra tant qu'elle continuera de danser. Et dès qu'elle s'arrêtera, tu pourras tous les considérer comme morts! Ils seront tous en morceaux, en pièces détachées. Quant à ta chère Zoya, elle va mourir noyée dans ses propres larmes. Si seulement tu pouvais lui apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Tu te souviendras longtemps de cette fête, Aditya Uda. Félicitations pour la fête de la mort, hein? Une bombe? Mais... mais où est Zoya? Remarquable, absolument remarquable. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour nos vedettes. Merci. Merci, merci Souraj, c'était vraiment époustouflant. Merci. C'était vraiment merveilleux. Et Chakor, vous êtes un vrai trésor, vous avez fait des merveilles. Merci beaucoup mon oncle. Mon oncle, je ne vois pas Aditya, il est où? Il devrait être dans les parages. Oh, il ne doit pas être loin. Bref, vous deux, vous restez là pour dîner. Bien sûr, nous avons prévu dîner ici, car il paraît que vous avez fait appel au meilleur chef de Lucknow. Oui, parce que c'était une chance de recevoir des invités spéciaux. Venez, s'il vous plaît. Allô? Mon frère? Arjun, écoute, reste calme. Rajvir a enlevé Zoya et a mis une bombe dans la maison. J'ai vu de la folie dans ses yeux, donc je suis sûr que c'est vrai. Et je sais pas où est la bombe, mais... avoir un petit indice. Il a dit que tant que les gens dansent sur la musique, et tant que la fête continue, tout le monde ira bien. Alors s'il te plaît, Arjun, jusqu'à ce que je revienne, ne laisse pas la musique s'arrêter. D'accord. Nour, mais... Arjun, c'est Zoya. Mon frère vient d'appeler. Je sais. Viens avec moi. Charlie, quoi qu'il arrive, n'arrête pas la musique. D'accord. Nour, il faut absolument qu'on se serre les coudes. Pas maintenant. J'espère juste qu'on pourra sauver tout le monde à temps et qu'Aditya trouvera ma sœur. Je l'espère aussi.
Si seulement tu pouvais lui apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Zoya doit être ici. Ok, allez-y, je vous rejoins. Ok, oui, allez-y. Cette musique, mon Dieu! Arch, c'est vraiment très fort. On va servir le dîner, je vais leur demander d'accord. D'éteindre. Arjun, tu peux couper tout ça? C'est très fort. Il faut arrêter la musique et servir les invités. Maman, on va quand même pas manger aussitôt. Regarde, tout le monde s'amuse. Arjun. Maman, en fait, Noor et moi voulions faire une prestation. Juste une. C'est la dernière, promis. Noor? Non mais qu'est-ce qui... Mesdames et messieurs, une prestation spéciale pour vous tous, avec ma chère amie, Noor Siddiqui. Je vais devoir danser avec Arjun pour sauver la vie de tout le monde. Zoya! Zoya! Zoya ne se trouve pas ici. Il faut combien de temps pour rédiger un rapport? Pendant ce temps, on ne sait pas où il emmène ma Zoya. Oui, monsieur Vassim, oui. La loi a sa façon de fonctionner. Il y a des procédures. Waouh! J'en reviens pas! Calme-toi, s'il te plaît. Ma fille Zoya a été kidnappée et vous me parlez des procédures de la loi. Vassim, calme-toi, je t'en prie. Me calmer? Mais comment? Regarde, il prend tout son temps. Monsieur, il faut d'abord me décrire la voiture. Pas forcément vous, mais quelqu'un qui a vu la voiture. Autrement, comment voulez-vous qu'on aille plus vite? Un jour ou l'autre, la famille Ouda doit payer pour ses péchés. Vous avez causé des souffrances à un grand nombre de personnes, monsieur Ouda. Maintenant, vous allez enfin payer. On dit souvent que dans la vie, à un moment donné, on récolte ce que l'on sème, monsieur Ouda. Et c'est ce qui va vous arriver. La seule différence est que la pauvre Zoya doit également mourir. C'est la vie. Parfois, les parasites meurent avec leur hôte. Papa, tu vas où? Arjun, arrête avec tout ça. C'est la fête de l'Aïd, et pas un festival de musique. Papa, c'est une belle fête, regarde. Tout le monde s'amuse. Tout le monde doit aussi avoir faim. Plus tard, s'il te plaît. Après, ok? Ah, toi alors.
Bien, comme tu veux. Arjun, t'as du nouveau? Non, attends, je l'appelle. Viens. Ok. Oui, Arjun. Alors, t'en es où? T'as trouvé quelque chose? Rien pour l'instant. J'ai suivi les traces de pneus, mais Zoya est nulle part. Je sais pas où elle est. Allô? Aditya? Tu dois absolument ramener ma sœur. C'est compris? S'il arrive quoi que ce soit à Zoya, c'est toi la responsable. Je sais pas quel est le problème de Rajvir avec votre famille. Mais ma sœur a été mêlée à tout ça à cause de toi. Non, je veux rien savoir. Ramène ma sœur à la maison. Allô? Mais Arjun... Au secours! Aidez-moi! Aidez! Aidez! Elle est où la clé? De Zoya. Zoya! 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 Aditya! Aditya! Zoya! Zoya, je suis là! Tiens bon! Vas-y, continue comme ça. Arjun, t'as pas oublié ce qu'on a dit? De mon côté, Nour, tout est prêt. T'es sûr que ça va marcher? J'espère que du tien, c'est pareil. Oui. Juste, j'ai peur pour Zoya. Déjà que Zoya avait une très grande influence sur Adi, voilà que Nour a commencé à flirter avec Arjun. Tu sais où est passé Adi? Je n'en ai aucune idée. Moi aussi, je le cherche. Le volume de cette musique est fort. Ça me donne des maux de tête. Bang, 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 depuis un moment. Ne t'inquiète pas, Anjana. Je vais aller tout de suite arrêter la musique. Et une fois la musique éteinte, cette fête prendra fin pour deux. Tu as raison, mais je peux pas m'empêcher de penser à ma sœur. Elle est peut-être en danger, Arjun. Je sais pas quoi faire, il faut... D'accord. T'en fais pas, je m'en occupe. Arjun, ton père, va vers les platines. Allez, monsieur Ouda. Allez-y, baissez donc le volume à moins de 20 pour que je puisse assister au plus beau feu d'artifice de ma vie. Allez, allez, vas-y. Papa, non, non, touche pas à ça. Quoi? Je voulais te faire rencontrer le client, s'il te plaît. Mais le de client. Qui est-ce que tu parles? Sheikh et ses associés, viens, viens.
Aditya a retrouvé Zoya. Zoya ! Aditya ! Pourquoi l'eau s'arrête pas ? Zoya, tiens bon, Zoya ! Zoya, il t'arrivera rien ! Deux minutes ! Monsieur Ouda a peut-être raison. Nous devons quitter cette ville le plus tôt possible. Ce serait mieux pour nous. Cette ville fait mal aux bonnes personnes, malheureusement. Contentons-nous de trouver Zoya. Nous allons trouver Zoya et nous en aller. Ce n'est pas pour nous. Inch'Allah, Vassim. Nous retrouverons bientôt Zoya, tu verras. Garde la foi et reste fort. Tu verras, tout ira pour le mieux. Tout ira bien. Inch'Allah. Maman ? Mmh. Qu'est-ce qu'il y a ? Arjun, qu'est-ce qui te prend enfin ? Pourquoi es-tu autant obsédé par cette fête ? Tu veux encore danser avec cette fille, c'est ça ? Non, non, maman ! Arjun, allez, je veux danser avec toi, maman ! Arjun, allez, viens ! S'il te plaît ! Qu'est-ce qu'il y a ? Zoya, donne-moi ta main! Maman, je suis attachée! Elle ouvre, Aditya! Donne-moi ta main. Tiens bon, tiens bon. Ouvre les yeux, il t'arrivera rien. Ouvre les yeux. J'ai fait une erreur. J'ai encore une fois sous-estimé Aditya Ouda. Un fils intelligent né d'un père intelligent. Mais tu sais quoi, Aditya ? Tu as sauvé Zoya, mais comment sauveras-tu ta propre famille ? Hein ?
Parce que tant que tu n'auras pas bougé de là pour regagner ta maison afin de sauver ta petite famille, ta maison va sauter. Lève-toi, lève-toi, allons à l'hôpital. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Il faut qu'on aille chez toi. Rajvir, il a dit qu'il a installé une bombe dans le système. Le système de musique, une bombe. Une bombe. Quoi ? Viens, viens. Pourquoi Arjun ne répond pas au téléphone? S'il te plaît, continue d'essayer, Zoya. Arjun répond au téléphone. Hé, hey, arrêtez-moi cette musique, il y a beaucoup trop de bruit maintenant. Hé, hey, arrêtez la musique! Monsieur! Hein? Monsieur, cette musique est très forte, les voisins ont des problèmes! Quoi? Monsieur, cette musique est très forte, les voisins okay, sont pleins, okay. S'il vous plaît! Désolé, sergent. Maman, non! Maman, Arjun, bougez! Sortez! Tout le monde, allez-y, vite, vite, mais vite, qu'est-ce qui se passe enfin? Tout le monde sorte de la maison, dépêchez-vous, quoi? Allez, allez! Adi, qu'est-ce qui se passe? Adi, n'approchez pas! Pourquoi a-t-il enlevé le haut-parleur? Il y a une bombe dedans! Adi! Mon frère! De l'eau! Viens par ici! Allez, venez! Une chaise! Apportez une chaise! Ça va? Par ici, mettez-le là! Adi, tu vas bien? Apportez de l'eau! De l'eau! Comment tu te sens? Mmh.
qui s'est passé? C'est Rajvir. Aditya. Adi, ça va aller, n'est-ce pas? Personne ne sort d'ici! Sergent, n'y pensez même pas. Je jure que je vais appuyer sur la détente maintenant. Baissez votre arme. Qu'est-ce que vous pensiez, hein? Que tout irait bien? Et Monsieur Oda, sachez que vous m'avez tout pris. Donc je vais vous prendre tout ce qui vous appartient. Et ça pour toujours. Ça va? Aditya, ouvre les yeux, s'il te plaît! Adi! Oh mon Dieu! Adi, appelez une ambulance tout de suite! Bye bye, Aditya. Lâchez ça maintenant! Rajvir! Ne bougez pas, Rajvir! Ok, ok, les gars, je connais la procédure, ok? Relax! Relax. Je vais... C'est bon. Noor. Si, si, s'il vous plaît, laissez ma sœur. Je vais la tuer, je vous le jure, je vais lui faire sauter la tête tout de suite. Laissez-la, s'il vous plaît, laissez ma sœur. Écoutez, quel que soit l'objet de votre vengeance, prenez-moi, mais laissez ma petite sœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-la. Tu t'inquiètes beaucoup pour ta sœur. Faisons une chose, on va passer un marché. Laisse-moi partir d'ici tranquillement, je laisserai ta sœur partir en paix, ou alors... Je te jure que si vous ne me laissez pas partir, je vais lui mettre cette balle dans la tête. Sergent, posez votre arme, s'il vous plaît. Sergent, je pense que vous devriez écouter ce que dit Zoya. Baissez votre arme! Zoya! Vous avez entendu, baissez votre arme. Oh, s'il vous plaît, baissez votre arme, sergent, s'il vous plaît. Tout ce qui lui arrivera dépendra de vous. Vous me laissez partir d'ici et rien n'arrivera à Noor, je le jure. Et maintenant que tout le monde recule... Zoya! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Aditya, reste avec moi! Je t'en prie! Laissez-moi! S'il vous plaît, Rajvir, laissez-moi partir! Je suis pour rien, s'il vous plaît!
Rajvir, c'est fini maintenant. Vous êtes en état d'arrestation. Vous n'avez aucun pouvoir pour m'arrêter, ordure! Tu vas bien? Ça va aller. Ça va, ça va. Reste fort, Aditya, s'il te plaît. Il ne t'arrivera rien. Nous, reste avec moi. Adi, réponds-moi. Thank you.